tontine, c'est un regroupement de personnes qui vont payer chaque mois une mensualité. Un exemple concret, 5 personnes vont donner 50 euros et on aura un capital de 250 euros. La personne A va prendre le capital au mois de janvier, la personne B prendra le capital au mois de février et ainsi de suite. Effectivement, elle n'est pas utilisée uniquement par les Africains, elle est utilisée également par les Asiatiques, beaucoup aussi en Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, c'est un moyen de financement qui crée un lien social, puisque en général, c'est vrai que c'est des familles qui se regroupent pour faire des tontines, des groupes d'amis. C'est un financement qui est sans intérêt, donc par rapport à l'emprunt bancaire, et c'est un financement qui est plus accessible. Parce que c'est vrai que quand on fait une demande auprès de la banque, on peut avoir un refus. Quand on entre dans une tontine, forcément, on entre dans la tontine. Les risques quand on part quand on accède à une tontine classique, on va dire, c'est que de toutes les manières, si on ne paye pas, il faut rembourser et on peut être mal vu dans le cercle d'amis, le cercle de famille avec lequel on a fait la tontine. J'ai démarré mon activité uniquement en proposant des terrains contrôlés et sécurisés. Mon objectif, c'était de lutter contre la fraude immobilière qui gangrène depuis plusieurs années le secteur de l'immobilier en Afrique. Et effectivement, j'étais focus sur cela. J'ai proposé des terrains à mes clients et j'ai constaté qu'il y avait énormément de personnes qui n'avaient pas forcément les fonds pour pouvoir financer ces terrains. Ils me demandaient à pouvoir payer en plusieurs fois. J'ai réfléchi à une solution et à un moment donné, effectivement, j'ai une cliente qui m'a remis de l'argent en espèces et ça m'a fait penser à la tontine. Je lui ai même fait la remarque, j'ai l'impression que c'est l'argent de la tontine. Et elle m'a dit, effectivement, c'est l'argent de ma tontine. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas mettre en place une tontine qui regrouperait plusieurs personnes qui ont envie d'acheter un terrain. Effectivement, il y a énormément de personnes qui ont envie d'acheter des terrains, de les regrouper et de mettre en place une tontine structurée, encadrée et gérée par une entreprise pour pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent avoir un financement pour acheter leur terrain.